Bonsoir chers amis, merci beaucoup d'être là, nous sommes le mardi 9 avril, nouvelle émission de Pouch Live. Hier soir nous avions Xavier Axalbert et ce soir nous allons parler des ingérences américaines et pour ça, qui de mieux qu'Éric Branca pour nous en parler. Bonsoir Éric Branca, comment allez-vous? Bonsoir, bien. Bon, tant mieux, en tout cas merci d'être là. Alors pour ne rien cacher, je vous ai reçu dans Tocsin vendredi dernier à la matinale. Et je me suis dit, ça serait bien, je vous avais reçu bien sûr pour votre livre qui vient de paraître, celui-ci, Éric Branca, La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre de 1944 à 1954. Pour écouter cette interview qui porte sur ce livre-là, je vous renvoie vers la vidéo sur Tocsin et sur YouTube que vous connaissez, la matinale avec Clémence Oudiakova et moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. L'ami américain Éric Branca, toujours, c'est la réédition poche, vous m'avez dit Éric, c'est sorti en 2022 aux éditions de Tempus. Je veux qu'on parle de ça parce que je vous ai proposé effectivement qu'on comprenne mieux la lumière de vos connaissances, de votre spécialisation, qu'on comprenne mieux ce soir l'ingérence américaine permanente depuis la Seconde Guerre mondiale, excessivement. Et il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans votre livre et on se rend compte que finalement les Américains, De Gaulle a dû énormément lutter pour que les Américains ne remportent pas le gâteau français lors du débarquement, l'opération Overlord notamment, hein, Éric Branca. Exactement, Overlord qu'on ne traduit jamais, oui. Et qui veut dire suzerain, et qui dit suzerain dit vassal. Mais avant le débarquement, il y a eu beaucoup de choses, oui. Et notamment il faut remonter, moi je remonte dans mon livre, le oui. titre c'est 1940-1969, je remonte à 1940, puisque c'est la défaite de la France en 1940 qui va donner des idées très arrêtées au gouvernement américain et, je dirais, faire se développer sa libido dominandi, hein, son envie de domination qui va se fonder sur justement l'effondrement de la France et la carte de Vichy qui va être celle de Roosevelt jusqu'au débarquement d'Afrique du Nord, jusqu'en 1942, et même, je le montre, pratiquement jusqu'en 1944, puisque très peu de temps avant la libération de Paris, donc août 1944, Roosevelt laissait l'OSS, alors l'OSS c'est l'ancêtre de la CIA, hein, l'OSS ouais. deviendra la CIA après la guerre, vers 1948 à peu près, l'ancêtre de la CIA, l'OSS, complotait avec Pierre Laval et oui. pour rétablir une espèce de gouvernement de transition démocratique, certes, qui ne serait plus le gouvernement de Vichy, mais qui permettrait d'instaurer un gouvernement à la botte des Américains et de se passer de Gaulle qui lui résistait depuis 1940. Et oui, c'est dingue, parce que quand on lit ce livre, et je vous invite, chers amis, alors ça c'est l'édition, la première édition, je vous la montre à l'antenne, mais je vous ai montré le livre de poche, bien sûr, Éric Branca, l'ami américain, on est complètement éberlué. Quand on voit que les Américains, vous le dites, ils frayent avec Pierre Laval tout de même, et d'autres. Mais ils savent très bien qui il est. Ah, ils savent très bien qui il est, ils savent également très bien de qui il est le beau-père, puisque Pierre Laval est le beau-père du comte de Chambrun, René de Chambrun, qui se trouve être le cousin du président Roosevelt. C'est peu connu, mais dès 1940, les rapports entre Vichy et le gouvernement américain sont très étroits grâce à l'entregent de René de Chambrun que Roosevelt appelle affectueusement Bunny, lapin. Oui, il y a cette histoire, oui. Et l'autre l'appelle comment l'autre l'appelle petit lapin, gros lapin. C'est encore plus familier, il l'appelle petit lapin. Non mais c'est absolument dingue parce qu'on voit bien que les Américains ont essayé par tous les moyens de mettre la main
avec des collabos, parce que Pierre Laval, je pense qu'on a... Bien sûr, et avant ça, Darlan, et avant ça, Darlan, etc. Il faut se remettre dans ce qu'a été l'effondrement français en 3 semaines, en 4 semaines, de ce qui a été donné pour la 2e armée du monde, ou la 3e, suivant l'ordre. Mais cette armée est balayée. Et Roosevelt pense vraiment que la France ne reviendra jamais au premier plan, et comme la nature a horreur du vide, et la nature géopolitique encore davantage, il y avait même le 2e empire du monde, qui était l'empire français, sur lequel il souhaitait mettre la main. Alors, pas du tout mettre la main pour prendre la place du colonisateur, puisque les Américains ont toujours plaidé pour l'ouverture des marchés et contre la colonisation, qui était des marchés fermés, qui par définition leur étaient pas ouverts, si j'ose dire. Et donc, il fallait aider Vichy, aider l'Empire français avec des livraisons de nourriture, etc., pour mettre le pied dans la porte et préparer la mise sous tutelle de cet empire dans la perspective de ce qui arrivera plus tard, la création de l'ONU, hein, qui est créée en 1944. Et l'idée de Roosevelt, c'est vraiment d'aboutir à la fin des empires coloniaux pour ouvrir tous les marchés. Mmh. Et Vichy, dès 1940, c'est une formidable occasion pour lui. Oui, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, la guerre va prendre fin et qu'ils essayent, à un moment donné, vous avez dit, par Vichy. Et ce qui est dingue, c'est que l'ami américain, on va en continuer à en parler. Merci Eric Branca d'être là et merci à vous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires et n'hésitez pas, bien sûr, à vous procurer celui-ci, mais les autres d'Eric Branca. Il y en a quelques-uns. Je vous invite à aller fouiller la bibliographie très riche d'Eric Branca et d'aller choisir le livre qui vous conviendra. Mais celui-ci, l'ami américain, est particulièrement intéressant, plus la République des imposteurs dont nous avons parlé en début d'émission et dont je vous renvoie à l'interview sur Tocsin de vendredi dernier, on se rend compte effectivement que l'ami américain, ce n'était pas tellement l'ami. D'ailleurs, tout c'est un euphémisme, le titre, l'ami américain. C'est un énorme euphémisme. C'est avec des amis comme ça, on peut se passer d'ennemis. Oui. Alors, je commence en 1940 à cause de ce parti pris par Roosevelt de soutenir Vichy et non pas de Gaulle. Et en face, vous avez un de Gaulle qui, lui, au contraire, compte sur les Américains pour battre Hitler. Dès le 18 juin 1940, vous savez la phrase célèbre, je la cite de mémoire, mais des forces immenses n'ont pas encore donné qui demain pourront vaincre l'ennemi. Il pense évidemment pas à la pauvre Angleterre qui est dans un mauvais pays, mais à la puissance économique américaine. Et comme il sait que le Congrès américain est assez isolationniste, qu'il ne souhaite pas entrer en guerre en Europe, etc., il s'abstient même, suprême délicatesse, de prendre contact tout de suite avec Roosevelt pour ne pas l'embarrasser. Et puis à partir de 1941-1942, il se rend compte que les délégués de la France libre à Washington, non seulement sont mal reçus, mais sont considérés comme des ennemis. Et que c'est au contraire toute la technostructure diplomatique de Vichy qui a la parole, mais qui est reçu à la Maison Blanche, etc., etc. Et donc là, évidemment, les choses se corsent dès 1941-42, et puis notamment lorsque la France libre essaie de récupérer, et parvient à récupérer Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a le secrétaire d'État américain qui parle des soi-disant Français libres, et qui envisage d'empêcher par la force le débarquement des forces françaises libres et d'être aux côtés du gouvernement de Vichy. Ce sont des épisodes qui ont tout de même beaucoup marqué De Gaulle. Alors, quand on dit qu'il a été anti-américain, c'est doublement faux. C'est doublement faux, puisqu'on en reparlera sûrement. Il a toujours été à leur côté dans les grands épisodes de la guerre froide. Il a été le meilleur de leurs alliés. Mais en plus, il était payé pour savoir que, si j'ose dire, c'est eux qui avaient commencé. Oui, et c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que même avant la libération, et vous le dites, Eric Branca, c'est qu'il y a cette lutte qui se joue entre les Français libres qui ont rejoint De Gaulle à Londres, et puis le gouvernement de Vichy, sur lequel Roosevelt s'appuie, bien entendu, pour essayer d'avoir la main mise sur la France et ce qui correspond plus largement à la France. Et puis avec le débarquement en Afrique du Nord, donc il joue Darlan, qui est quand même l'homme qui, un an plus tôt, était président du Conseil et qui donnait des bases à Hitler en Syrie et au Liban, n'est-ce pas? Alors, c'est du cynisme de la vieille école. On se dit que des gens qui ont tellement collaboré et qui ont tellement à se faire pardonner, ben finalement, ils sont rompus à cette situation et ils continueront avec le nouvel allié.
Et oui, et c'est pour ça que je vous invite, bien sûr, à lire ce livre qui est extrêmement intéressant. Il y a aussi le débarquement, parce qu'on le dit très peu, finalement, mais ce débarquement américain, l'opération Overlord, et vous le dites, ça veut dire suzerain, tout de même. Il faut toujours le rappeler. Voilà, il faut toujours le rappeler, parce que c'est toujours important. C'est pas que symbolique, hein, c'est pas que symbolique. Il y a cette idée des Américains de venir avec de la monnaie. Il y a cette idée des Américains de venir finalement coloniser en quelque sorte la France avec cette âme goth. Et ça, il faut jamais l'oublier parce qu'on l'apprend très peu dans les livres d'histoire quand on est au collège ou un peu plus vieux. Je ne l'ai jamais absolument appris, moi. Très peu. Et c'est un épisode parmi d'autres, etc. Alors, l'âme goth, ça commence très tôt. Hein. Dès 1943, il y a des écoles qui se créent, des écoles de formation d'administrateurs civils. Pour les officiers américains en Angleterre, et de Gaulle est prévenu de ça par Churchill, par Whedon ou les deux à la fois, mais enfin c'est le gouvernement britannique qui trouve que là Roosevelt va beaucoup trop loin, non pas du tout sans doute par amitié, parce qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, mais aussi par intérêt, parce qu'ils savaient que derrière ça, il y aurait la situation de la Grande-Bretagne après la guerre et sans doute des projets pas très amicaux vis-à-vis de l'Empire britannique. Donc, Churchill, il joue De Gaulle contre Roosevelt là, alors que dans tous les autres dossiers, il joue Roosevelt contre De Gaulle, puisqu'il a besoin de l'argent américain pour continuer la guerre. Et donc, ce sont les Britanniques qui préviennent les Français de du projet d'âme goth. Ils les préviennent aussi de son corollaire économique et monétaire, qui est la fabrication d'une fausse monnaie, que De Gaulle appelle une monnaie de singe, ce qu'on appelle le billet drapeau. Le billet drapeau, c'était un billet sur lequel les insignes de la République avaient disparu, hein, et qui valait moins que, enfin, qui valait plus que le marc par rapport au franc de la monnaie d'occupation. C'est-à-dire que c'est une monnaie encore plus injuste que l'était le marc. C'est stupéfiant. Et puis, il y a un autre corollaire qui est un corollaire territorial et dont on parle assez peu aussi, c'est que Roosevelt avait des projets très arrêtés quant au territoire français. Il voulait diviser la France en trois parties. Oui. Il voulait une espèce de zone démilitarisée à cheval sur la France, l'Allemagne et le Benelux, qui aurait été un peu le cœur économique de l'Europe, qui était démilitarisé, donc on retirait la Lorraine, partie de l'Alsace à la France, etc., sous administration internationale. Vous me voyez venir, c'est des de ce qu'on appellera la CECA après la guerre. Ensuite, une zone, il voulait donner, agrandir le territoire belge et le territoire néerlandais. Et puis, il envisageait éventuellement, pour récompenser les Italiens d'avoir changé de camp en septembre 1943, de leur donner tout simplement la rive gauche du Rhône. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. Hitler voulait, lui, diviser la France en cinq. Oui. Roosevelt, c'est en trois. Alors, évidemment, les conditions auraient été différentes, mais ce n'est pas non plus très amical. Non. Oui, ça... Mais pourquoi, Eric, pourquoi cette volonté de dépecer, finalement, la France en tant que telle? Je crois qu'il y avait l'idée de mettre la main sur le potentiel industriel de l'Est de la France, hein, la sidérurgie, le charbon, ça c'est très important, hein, ça sera au cœur du projet européen après la guerre, de Monnet et de Schuman, projet européen qui sera fait très étroitement avec les Américains, et puis l'idée aussi que la France a perdu son rang de grande puissance, et que, voilà, il y a des documents tout à fait incroyables, et d'ailleurs, des Français sont à l'origine de ces documents. Ils ont expliqué certains Français, dont Alexis Léger, secrétaire général du Quai d'Orsay avant la guerre, vous savez, le poète Saint-John Perse, son nom c'est Alexis Léger, qui détestait De Gaulle et qui adorait les Américains, et qui était un conseiller très proche de Roosevelt, lui fait une note où il explique que la France, finalement, n'a jamais été un pays décentralisé. On se demande ce qu'il fait des Capétiens, mais enfin bon, ça n'a jamais été un pays centralisé, et donc ça serait très bien de s'appuyer sur les conseils généraux, etc., pour créer une espèce d'État fédéral en France. Donc, c'est divisé pour régner. Alors, bon, ça n'a pas abouti, mais ça a été tout de même très ric-rac, si j'ose dire, puisque, n'oublions pas que Churchill, à la demande de Roosevelt, empêche De Gaulle de débarquer
dans les jours qui suivent le débarquement. Il débarque le 14 juin, hein, donc 8 jours après. Et il y a une course de vitesse entre les commissaires de la République nommés à Londres, qui sont des gens de la résistance ou de la résistance intérieure ou de la résistance de Londres, et qui ont pour but à la fois de prendre la place des préfets de Vichy et puis en même temps d'empêcher les administrateurs américains de Lingotte. Et ça se joue en 10-12 jours. Et c'est, alors je raconte ça, c'est un véritable roman. Mais il faut lire les mémoires des compagnons de la Libération, des gens qui ont participé à tout ça. C'était très ric-rac, très ric-rac. Et comment, c'est pour ça que j'ai noté ça en lisant votre livre, Éric Branca, et fait, c'est intéressant, vous le dites dans votre livre, c'était comment finalement De Gaulle et les résistants ont pris de vitesse les Américains pour éviter d'avoir des espèces de gouverneurs américains ou des administrateurs américains à la place de Français, pardon. Bien sûr, parce qu'ils étaient mieux organisés. De Gaulle, dès 1943, a fait l'unité de la résistance derrière. Il a fait l'unité de communistes à la droite nationaliste. Et c'est l'œuvre de Jean Moulin, hein, c'est l'œuvre du CNR. Et le CNR avait déjà préparé toutes les réformes de la Libération, nommé des administrateurs. Et donc, ces gens-là étaient prêts. On rendra jamais assez hommage au rôle de la résistance, non seulement le rôle qu'elle a eu contre les Allemands, bien sûr, mais ce rôle de préparation de la libération et de restitution de la souveraineté française, il est absolument essentiel. Il y a deux hommes qu'il faut citer, c'est Michel Debré, qui était commissaire de la République dans l'ouest de la France, mais qui avait participé à ce qu'on appelait les neuf sages de la résistance, c'est-à-dire des neuf personnalités très, très importantes, qui ont mis au point toutes les réformes de la libération, et puis d'autres comme René Capitan, etc., qui ont vraiment travaillé dans l'ombre à tout ça. Et d'ailleurs, vous citez dans le livre, vous citez De Gaulle, qui reconnaît, qu'il a reconnu bien, bien des fois, mais vous le citez, et qui dit à un moment donné, ce sont les Français aussi qui ont libéré leur pays. C'est très clair, hein, De Gaulle a cette vision très, très claire de ces Français qui ont libéré la France. Mais bien sûr, il y a depuis un certain nombre d'années une manière de dévaloriser le rôle de la résistance, etc. Alors, sans doute à cause des excès de l'épuration qui ont existé, mais je trouve ça historiquement assez monstrueux, parce que s'il n'y avait pas eu la résistance, les alliés, quand ils ont débarqué, n'auraient pas été renseignés de la même façon, et puis j'ajoute, il n'y aurait pas eu toute cette technostructure politique prête à prendre le relais. Oui, c'est intéressant. Je voulais qu'on s'arrête un petit moment, pas longtemps, mais un petit moment là-dessus sur la résistance. Alors, on va pouvoir continuer à parler, chers amis, de l'ingérence, des ingérences américaines. Bien entendu, Éric Branca est là pour ça. Mais finalement, vous le dites, la résistance a joué un rôle très, très important dans la libération de la France et surtout dans l'après, finalement. Parce que parfois, on a l'impression de dire que bon, les résistants, ils étaient quelques milliers. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec une espérance de vie très courte tout de même. Je crois que c'est 6 mois. Mais selon vous, concrètement, ça a fait tomber la pièce du bon côté aussi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu l'unité du CNR autour de Jean Moulin, les commissaires de la République auraient été moins soutenus, vraiment. Les commissaires de la République, ils ont surgi du maquis et c'était vraiment une course de vitesse. J'ai oublié de citer André Parodi. J'ai cité André Capitan, très important, mais André Parodi, très important, c'était vraiment le proconsul de Paris, de Gaulle. Notamment à Paris, hein. Et ça c'est un personnage dont on ne parle pas assez, qui a été oublié, mais qui a joué un rôle absolument essentiel pour rétablir vraiment la République. Oui, et ça c'est extrêmement intéressant, on va continuer, chers amis, à parler de ce livre-là, bien entendu, je vous invite, si vous le pouvez, faites-vous le prêter, allez l'emprunter, je ne sais pas, mais lisez-le, L'ami américain d'Éric Branca, chez Tempus, lisez-le, c'est passionnant, et ça, on va aussi parler un peu l'actualité de l'ingérence américaine contemporaine, mais on va continuer là-dessus, parce qu'il y a plein de choses, et vous allez entendre des noms que vous connaissez, ou que vous avez déjà entendu parler. Je voulais qu'on parle de Jean Monnet, parce qu'on en avait un peu parlé vendredi dernier, Éric Branca, mais quand on lit ça, on découvre plein de choses sur Jean Monnet. Jean Monnet, alors vous l'appelez pas l'agent des Américains, mais finalement, il était quand même au creux du système, bien avant la guerre en plus, bien avant la guerre. Bien sûr, je ne veux pas employer le mot agent, parce que quand agent, ça veut dire qu'il est payé. Or, Jean Monnet était quelqu'un d'indépendant, de personnel honnête,
d'ailleurs tout comme Robert Schumann, c'est quelqu'un qui savait gagner sa vie, qui a gagné sa vie en faisant l'intermédiaire, en étant banquier, etc., en conseillant beaucoup de chefs d'État, dont Roosevelt avant la guerre. Donc, je n'emploie pas le mot agent, mais il était agent au sens où il était leur homme. Je crois qu'il se sentait encore plus américain que français, ou même qu'européen. Ses mémoires, c'est très net. Mais il n'y a pas chez lui, c'est pas un corrompu. En revanche, c'est un corrupteur. Oui, mais c'est corrompteur parce qu'il a énormément œuvré. Vous le dites, il a énormément œuvré en permanence. Il a essayé de passer Plévin. Enfin, on va en parler parce que c'est un moment passionnant. Et ça va ouvrir sur l'Union européenne aussi. On va parler de l'Union européenne. Vous allez voir, c'est passionnant là-dessus. Sur Jean Monnet, son rôle finalement, comme il a joué, intriguant. Donc, voilà, je vous réponds tout de suite sur Jean Monnet. Jean Monnet, il est donc, dès 1940, un homme très important dans le dispositif américain, le dispositif de Roosevelt, et il s'occupe notamment des livraisons d'armement aux Alliés, aux Anglais, bien sûr, mais aussi à la France libre. Il est utile à De Gaulle. Il s'est pas tout de suite dressé pour De Gaulle. Et même en 1942-43, lorsque Roosevelt le missionne à Alger, pour soutenir Giraud, d'abord les Américains ont soutenu Darlan, ancien président du Conseil de Vichy, puis ensuite ils ont soutenu Giraud, après l'assassinat de Darlan le 25 décembre 1942, et donc il y a une situation où le CFLN, le Comité français de libération nationale, est pris entre Giraud, l'homme des Américains, et De Gaulle, l'homme de la résistance intérieure, et de Londres. Et Roosevelt envoie Monnet et Alger pour qu'ils soutiennent, qu'il aide Giraud. Et puis Monnet est un type superment intelligent qui se rend compte qu'il n'y arrivera jamais. On ne peut pas promouvoir Giraud au-delà de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire peu de choses. Donc il dit à Roosevelt, il faut jouer De Gaulle. Mais en même temps, il lui explique très nettement qu'il faut préparer le coup d'après et s'en débarrasser. Oui. Voilà. Et donc, De Gaulle, lui, évidemment, n'est pas au courant de ce double jeu de Monnet. Il le nomme commissaire au plan en 1944 et il joue d'ailleurs un rôle important dans le commencement de redressement économique de la France à ce moment-là, parce que c'est un technicien hors pair. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui sait emprunter de l'argent, qui sait où trouver l'argent. Et il fait emprunter beaucoup d'argent à la France, aux Américains. Il y a deux écoles à l'époque. Il y a l'école Pierre Mendès France, puis il y a l'école Monnet Pleven. Monnet est dans l'ombre, il est commissaire au plan, mais son homme, ministre de l'économie, c'est Pleven. Et l'idée de Monnet et de Pleven, c'est que la France doit s'endetter auprès des Américains, continuer à s'endetter. Vous voyez pourquoi on s'endette, n'est-ce pas? Alors, on continue quand on s'endette. Et puis l'idée de Mendès, c'est qu'il faut, au contraire, il faut confisquer les profits illicites de l'occupation, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup d'argent sale qui a circulé, et lui, il est pour taper là-dedans, et puis il est pour une cure d'austérité. De Gaulle hésite beaucoup, et finalement va choisir Monnet et Pleven, parce qu'il pense que les Français ont souffert, et que c'est inhumain de leur faire supporter une nouvelle crise de cure d'austérité. Et mal lui en prend, parce que dès qu'il quitte le pouvoir en janvier 1946, Monnet, Pleven et les autres prennent directement parti contre lui et deviennent des ennemis. Mais oui, et c'est intéressant parce que Éric Branca, vous dites aussi, vous citez De Gaulle notamment, et vous dites qu'il ne s'est pas trop étendu sur ça, sur ce choix De Gaulle, lorsqu'il a préféré Monnet et Pleven à Pierre Mendès France, et que finalement, dans ses mémoires, il le dit, mais il s'est pas trop attardé sur ce choix. Il n'est pas très convaincant là-dessus. Je trouve que c'est un... Je suis inconditionnel, mais là-dessus, il n'est pas très convaincant. Il expédie l'affaire très vite, et sans doute a-t-il reconnu, dans son fort intérieur, avoir fait certaines erreurs, car d'abord parce qu'il a mis le pied à l'étrier à des gens qui vont devenir ses ennemis, et les ennemis de l'indépendance de la France, et en plus, il s'est aliéné quelqu'un qui était même, et c'était Pierre Mendès France, et Pierre Mendès France est devenu d'un anti-gaullisme assez, assez primaire, dirons-nous, à partir de 1958. Il y a des bifurcations comme ça, des rencontres qui ne se sont pas faites. Pierre Mendès France était quelqu'un, en plus d'un courage personnel tout à fait extraordinaire, ça a été un
Il était français libre, il était aviateur dans les forces françaises libres, et il a fait partie de ces gens qui ont participé à des bombardements extrêmement risqués de la France, des bombardements, des opérations chirurgicales à basse altitude pour éviter les massacres qui avaient été qui étaient le lot de tous les bombardements américains à haute altitude où on ratait sa cible, où on démolissait des villes entières, on tuait des civils, etc., sans aucune espèce de, d'efficacité. Il faut lire les mémoires de Mendès France quand il raconte ses missions en France, c'est formidable. C'est un type qui a risqué sa peau 50 fois pour la France. Et oui, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et effectivement, avoir mis dehors Pierre Mendès France, De Gaulle a-t-il fait une erreur? En tout cas, c'est le travail des historiens et c'est votre travail. Merci Eric Branca d'être là. 46, on a les fameux accords de Blum-Byrnes, 46. Et là, c'est intéressant, ces accords. Alors, c'est le lever de rideau du plan Marshall, mais le lever de rideau d'un point de vue culturel. Oui. C'est l'accord sur les produits culturels et le cinéma. Maintenant, on parle de produits culturels, mais ça allait au-delà du cinéma. Mais là, ce qui est resté comme mesure essentielle, qui a d'ailleurs dressé le monde des artistes contre les Américains, et les a d'ailleurs jeté dans les bras du Parti communiste, c'est le quota, les screen quotas, les quotas d'écran. Il fallait en gros importer 8 films américains ou anglo-saxons, mais essentiellement américains, pour avoir le droit d'en programmer 2 français. Tout ça par exemple. Bon, alors énormément d'artistes ont été là pour le coup sensibles à la propagande soviétique qui a désigné les Américains comme des adversaires. C'était pas très habile d'ailleurs du point de vue américain parce que je vous dis, ça a jeté beaucoup d'artistes dans les bras du Parti communiste, y compris des personnalités comme Jean Marais qui n'étaient pas spécialement de gauche. C'était le début, Eric Bancard, c'était vraiment le début, vous parlez de levée de rideau finalement, c'était le début. Oui. De cette influence américaine dans les esprits, cette espèce de propagande pro-américaine, quoi. Oui, je comprends ça. Absolument. Alors arrive le plan Marshall en 1947, alors là c'est tout à fait différent, parce que le plan Marshall, c'est évidemment une aide considérable qui est délivrée, mais c'est une aide qui est délivrée sous conditions. Alors évidemment, elle va aider l'économie à repartir, évidemment, elle va aider la France à se reconstruire, mais là je reviens toujours, c'est un peu une marotte chez moi, quand on parle de la construction, est-ce qu'il y a un pays en Europe qui ne s'est pas reconstruit? Tout le monde s'est reconstruit. Bon. Les Allemands sont reconstruits, les Américains... Oui, parce que vous défendez l'idée, je dis pour les téléspectateurs, puisque nous avons déjà un entretien là-dessus, que vous défendez l'idée que la 4e République n'est pas, à un moment donné, mère nourricière de la reconstruction de la France. Tous les pays se sont reconstruits après-guerre. C'est à peu près ça. Je schématise très vite votre pensée, Eric Branca, qui est plus complexe que ça. Non, mais c'est je ne m'inscris pas en faux du tout. Et ce qui est intéressant d'étudier, c'est les contreparties du plan Marshall. Or, c'est de l'impérialisme économique au sens propre du terme, puisqu'il y avait des représentants dans toutes les entreprises françaises importantes, et notamment celles qui exportaient, il y avait des représentants du comité exécutif du plan Marshall. Le budget de la sécurité sociale, le budget de l'assurance maladie était sous contrôle de contrôleurs américains. Il y avait des produits qu'on avait le droit d'importer aux États-Unis, mais qu'on n'avait pas le droit de réexporter. Il y avait des pays vers lesquels on ne pouvait pas exporter parce que ça aurait concurrencé les produits américains, etc. Ouais. etc. Ça allait très loin. Donc, c'était une mise sous contrôle pour que, à la fois, les Français s'accoutument aux produits américains et globalement à l'American Way of Life, et puis aussi pour empêcher les entreprises françaises de concurrencer. Hein, il fallait que on soit jointif aux intérêts américains. Et ça, ça a été vraiment une période très de grande dissimulation parce que personne n'en avait conscience à l'époque. Et comment ça a été possible, ça, Eric, finalement, que personne n'en ait conscience, notamment nos élites qui étaient au pouvoir à cette époque-là, hormis Jean Monnet et quelques autres, mais les autres, ils n'avaient pas conscience de tout ça, ils ne voyaient pas le loup à un moment donné. C'est des gouvernements qui se succèdent, qui à vitesse, et puis une administration qui est permanente, et des gens comme Jean Monnet, comme Robert Schuman, comme René Pleven, qui eux sont également permanents, qui se retrouvent dans tous les gouvernements et toutes les coalitions. Bon. Et c'est ces gens-là qui dirigent. Les gouvernements eux-mêmes sont très éphémères, et puis dès 1900,
48-49, la 4ème République, elle est confrontée à l'affaire indochinoise, à partir de 54 à l'affaire algérienne, ils gèrent l'urgence, ils gèrent la dette, les ministres de l'économie de la 4ème passent le plus clair de leur temps à aller emprunter aux États-Unis. Quand, quelques semaines avant que De Gaulle ne revienne au pouvoir, en juin 1958, la France n'a plus dans ses caisses que pour payer 6 semaines d'importation. Et on envoie monnaie en urgence, grâce à Servation, négocier un nouveau prêt. Et tous les prêts qui sont consentis par l'Amérique ne sont évidemment pas sans condition, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Mais on est dans une situation économique ancillaire à ce moment-là, ancillaire. Alors, on va continuer. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Merci, Éric Branca, d'être là. On ne peut pas ne pas parler, chers amis, de la CECA. Il y a un passage là-dessus, la CECA Cheval de Troie de l'Amérique. Là, on avance un peu dans le temps, un peu rapidement, mais là, la CECA, c'est en plus, ça va ouvrir sur ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Union européenne. Alors, la CECA, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est le Cheval de Troie de l'Amérique, Éric Branca ? Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, l'idée, c'est d'empêcher toute nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est l'idée, n'est-ce pas, officielle, qui est défendue par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères. Et l'idée, c'est donc de mettre en commun, essentiellement entre la France et l'Allemagne, parce que c'est les deux grandes puissances industrielles, sidérurgiques, etc., et de mettre leurs ressources en commun. Et alors, ce qui est intéressant dans cette affaire de CECA, c'est que c'est l'épure de toute la construction européenne qui va suivre, avec une commission technique qui n'est pas responsable devant les gouvernements, une assemblée parlementaire, alors qui n'est pas encore élue au suffrage universel, comme aujourd'hui, nommée par les gouvernements, mais qui dialogue directement avec cette entité administrative. Donc, vous avez un embryon de gouvernement européen, un gouvernement de Parlement européen, et donc une espèce de court-circuitage des structures démocratiques des États. Et ça, il y a très peu de gens qui le voient, il n'y a que les gaullistes qui le voient à ce moment-là. Il n'y a que les gaullistes, ils se battent contre la CECA, parce qu'ils voient très bien que c'est non seulement une affaire qui va dessaisir les États et les peuples de leur souveraineté, mais en plus qui ne va même pas être européenne puisqu'elle a été décidée par Monnet en étroite collaboration avec le département d'État américain. Quand vous lisez les mémoires des collaborateurs de Monnet, c'est absolument stupéfiant parce que tout ça a été... Il n'y a rien de secret là-dedans, ils s'en sont vantés. Robert Schuman explique que... il y avait très peu de ses collaborateurs qui étaient au courant et que ses collaborateurs discutaient directement avec les Américains. Il parle même c'était des actions de commando qui faisaient le va-et-vient entre l'ambassade des États-Unis, entre les ministères concernés, mais avec chaque fois très peu de fonctionnaires au courant. Et puis, étape suivante, c'est la CED, Communauté Européenne de Défense, qui poursuit cette construction avec une mise des armées européennes et de l'armée française en particulier sous commandement direct du Pentagone, c'est-à-dire sous commandement américain. Alors là, ça va échouer et ça va être le coup d'arrêt à cette construction supranationale qui commence et elle va reprendre en 1957 avec le traité de Rome. Le traité de Rome va être beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus modeste et De Gaulle d'ailleurs, quand il revient au pouvoir, très habilement, va en accepter les augures. Il va en accepter les augures. Tout le monde pensait, y compris des Européens convaincus, que De Gaulle allait ne ratifierait pas, dénoncerait le traité de Rome. Et même certains disaient, comme Félix Gaillard, qui était très pro-européen, finalement, ils n'ont peut-être pas tort, parce qu'on n'aura jamais les moyens de le faire. Et la suprême habileté de De Gaulle va être d'accepter l'Union européenne parce que, de même qu'il n'était pas anti-américain, il était pro-européen, mais dans un sens dans un sens confédéral, dans un sens non supranational. Il veut profiter de cette construction européenne, je dirais, plus modeste, pour rénover le tissu industriel français. Et donc, il va impulser pendant toute sa
tous ces deux mandats, enfin oui, c'est, enfin, c'est son premier mandat 58-65 et 65-69, deuxième mandat interrompu, une construction européenne confédérale. Et ça, c'est intéressant parce que là, on a déjà le premier, le creuset de l'édifice, ce que vous appelez l'édifice supranational, et vous faites un lien avec Maastricht en 1992. Donc, on a quand même une filiation qui est passionnante, enfin, passionnante, effrayante, mais passionnante. Et on voit que c'est pour ça que ce livre est intéressant sur Jeanne. Trois périodes. Vous avez la période Monet-Schumann, ouais. 57, 58, avec le coup d'arrêt de la CED. Vous avez la période gaullienne, que j'ai tant à Pompidou, 1974. Oui. Hein, et puis à partir de 1974, c'est le retour de Jean Monnet et des amis de Jean Monnet, avec Giscard d'Estaing, qui lui crée le système monétaire européen qui est l'épure de la future monnaie unique, hein, de l'euro, oui. Qui organise l'élection du Parlement européen au suffrage universel, 1979, première élection. Là, on revient vers une construction supranationale. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que lorsque Giscard arrive au pouvoir, en 1974, Jean Monnet dissout l'année suivante, en 1975, son comité d'action, parce qu'il considère que ces faits, ces idées sont à nouveau au pouvoir. La parenthèse gaullienne se referme. Et là, on passe d'une lecture confédérale, hein, des institutions, avec des... Je vais être un peu technique, mais c'est très important de savoir. Avec des délégations de souveraineté, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire construire l'Europe sans délégation, mais qui ne sont pas des transferts de souveraineté. Dans la conception confédérale, vous avez des délégations de souveraineté qui sont réversibles et avec égalité de droit, alors que dans la conception supranationale, vous avez des transferts qui sont définitifs et qui s'opèrent au profit d'organismes non élus, comme la Commission, les organismes, le Cour de justice des communautés, etc., qui a un droit à part, qui s'impose aux droits nationaux, et tout ça de façon progressive et sans qu'on en parle de façon très claire au peuple, puisque ce sont des matières compliquées. Allez expliquer oui. Une minute la différence entre une délégation de souveraineté qui est réversible et puis un transfert qui ne l'est pas. C'est assez expliqué. Et donc, évidemment, on surfe sur l'idée qu'il y a les bons Européens et les mauvais, et même les anti-Européens. Oui. Oui, et c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'on comprend mieux aussi ce qu'il en est aujourd'hui, puisque, et est-ce que, une question qui me vient, que je voulais poser avant de poser l'autre, Jean Monnet, la politique des petits pas, j'ai toujours lu ça, la politique des petits pas de Jean Monnet, et vous avez l'air, Éric Banca, de nous dire finalement que ça a été, ce qui a été fait, que Jean Monnet restait toujours là, dans le décor ou dans les coulisses, mais il a toujours été là, Jean Monnet. Exactement, il meurt en 1979, je vous dis, après avoir dissous son comité, parce qu'il considérait que ses idées étaient au pouvoir. Je voudrais revenir, si on a encore sur la manière dont les Américains ont influé de façon décisive sur la construction européenne. Oui. En 1963, vous savez qu'il y a le traité de l'Élysée, qui est une chose extrêmement importante, entre la France et l'Allemagne. Bon, le traité de l'Élysée, on le vante aujourd'hui comme l'incarnation du couple franco-allemand. En réalité, il est vidé de sa substance 6 mois après sa signature et sa ratification. Pourquoi ? Parce que De Gaulle et Adenauer, quand ils se rapprochent dès 1958, je vous rappelle que Adenauer est le premier chef d'État étranger que De Gaulle reçoit, et il le reçoit à Colombey, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, tout le monde se reçoit chez lui. À l'époque, ça ne se faisait pas. De même que les chefs d'État s'embrassent, De Gaulle n'embrassait personne, il embrassait Adenauer. Non, mais c'est dire sa volonté de rapprochement avec l'Allemagne. Et ces deux hommes s'entendent très bien. Pourquoi ? Parce que l'un compte sur De Gaulle pour empêcher les ingérences du coup soviétiques sur l'Allemagne de l'Est, enfin sur l'Allemagne de l'Ouest à partir de Berlin. L'affaire du statut de Berlin est très importante et De Gaulle va soutenir. Et à ce moment-là, et d'ailleurs du côté américain, au moment de l'affaire du mur de Berlin. Et puis, Adenauer compte sur lui pour permettre la réunification de l'Allemagne. Car De Gaulle est partisan de la réunification de l'Allemagne et le dit dès qu'il revient au pouvoir. On l'oublie complètement.
On pense que de Gaulle en est resté à 1945, à la victoire de 1945, où il était pour la division de l'Allemagne, etc. De Gaulle était en 1945 pour faire payer aux Allemands ce qui nous avait coûté très cher, et pour, oui, voilà, mais il a évolué, et il était, mais d'emblée, quand il revient au pouvoir, pour la réunification allemande, c'est très important. Et donc, les deux hommes comptent l'un sur l'autre. Et le traité de l'Élysée va très loin, puisque il prévoit des consultations régulières, il prévoit la création d'instituts de défense franco-allemande. Mmh. Ça va très loin, on parle de défense européenne aujourd'hui, mais la défense européenne aujourd'hui, telle qu'on la conçoit, c'est celle de la CED, c'est-à-dire sous contrôle étroit des Américains. Oui. Mmh. Et quand les Américains se rendent compte de ce qui se trame entre la France et l'Allemagne, ils envoient encore lui, Jean Monnet, prendre contact avec les propres amis d'Adenauer, de la CDU, et puis de la CSU bavaroise, et puis aussi du SPD, qui est en opposition à l'époque, pour imposer un addendum au traité de l'Élysée, qui dit que la fidélité de l'Allemagne à l'OTAN sera toujours supérieure à sa fidélité à l'Alliance française. Mmh. Bon. Donc, dès ce moment-là, et j'ajoute que 6 mois après, on pousse Adenauer vers la sortie, il est démissionné par son propre parti et il est remplacé par le chancelier Erhard, qui est un pro-américain convaincu, encore un qui avait beaucoup à se faire pardonner, qui travaillait pendant la guerre au ministère de l'économie, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Oui. L'Europe confédérale franco-allemande telle qu'elle aurait pu se faire, ce sont les Américains qui la tuent dans l'œuf en vidant le traité de l'Élysée de sa substance. Alors, il me reste encore 2 questions, Éric Blanquart. Merci d'être là, vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 1500 sur l'ensemble de nos réseaux, bien entendu. Merci d'être là, beaucoup de monde pour cet entretien. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, finalement, est-ce que ça a tant changé que ça ou pas avec cette influence américaine? C'est la question que je viens de vous poser, que je vous pose d'ailleurs sur cette période que vous connaissez si bien, Éric Blanquart. Finalement, l'influence américaine, elle est toujours là. Elle n'a jamais été aussi importante, si j'ose dire. Vous voyez l'affaire d'énergie, quand vous voyez les révolutions, les sanctions qu'ont prises l'Europe, etc. Ouais. Nous sommes là de plus en plus adéquats aux intérêts américains, c'est-à-dire adéquats en nous tirant une balle dans le pied. C'est très clair. J'ai envie de vous poser la question. Les Américains, avec Jean Monnet, pas que lui, mais Jean Monnet notamment, finalement, sont arrivés à leur fin, si je comprends bien. Avec l'Union européenne. Il y a eu un secrétaire d'État au Trésor américain en 71 qui a dit à partir de maintenant, le dollar, c'est votre affaire. Le dollar, c'est notre affaire, mais c'est votre problème. Oui, ça, c'est incroyable. Et je vous invite d'ailleurs, il y a un très bon passage sur Pierre Mendès France et Bretton Woods. Je ne savais pas que Pierre Mendès France avait notamment participé aux accords de Bretton Woods. C'est vraiment intéressant sur le dollar et tout, vraiment. Mais ça, vous allez le lire parce que sinon, on devrait faire 3 heures d'interview et ça ne serait pas possible. Donc finalement, oui, vous le dites que les Américains ont gagné. Enfin, le plan a marché à merveille aujourd'hui et qu'ils sont toujours encore plus présents aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière. Mais l'affaire des sanctions contre la Russie, c'est tout à fait net. Les Américains n'ont pas déclaré la guerre aux Russes. Les deux se portent très bien. Ils ont déclaré la guerre à l'Europe qui se suicide avec ses sanctions énergétiques. Donc, l'influence n'a jamais été aussi importante. C'est pour ça que c'est intéressant, et je le dis souvent, c'est pour ça qu'il est intéressant toujours de lire ce genre de livre pour mieux comprendre, appréhender notre présent et notre futur immédiat. Dernière question sur les Russes, vous en parlez, Eric. Il y a des choses très intéressantes parce que vous dites notamment que la CIA, je crois au département d'État, avait essayé de faire penser qu'au sein même de l'Élysée sous De Gaulle, c'était truffé d'espions russes. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Eh ben, ça vous évoque un film d'Hitchcock qui s'appelle L'Étau. Oui. Donc, il est le plus mauvais film d'Hitchcock, d'ailleurs. Hitchcock était, je ne sais plus, il venait de faire un film en 63 qui avait assez mal marché, il cherchait des financements, on lui a apporté un scénario clé en main à partir d'un livre d'Uris qui raconte comment l'Élysée est devenue une véritable un nid de taupe, et d'ailleurs il désigne très ouvertement la taupe en question comme étant Jacques Foccart. Oui.
le secrétaire général de Monsieur France-Afrique, etc. Et tout ça, en fait, le livre d'Uris part d'un livre qui a été écrit et que je ne m'aviez pas dit que vous me poseriez la question, mais je l'avais préparé. Oui. Ben... Alors, c'est l'AMIA, qui a été écrit par un agent français, d'accord, qui s'appelle Thierry de Vaugely, qui était en poste à Washington et qui a été retourné par les services américains. Il a été retourné à un tel point qu'il a organisé, et il le raconte, là encore, ce n'est pas des documents déclassifiés, il le raconte, la visite de l'ambassade de France et du bureau des services français par la CIA. Et il a écrit un livre qui explique que De Gaulle est vraiment un agent soviétique, qui est entouré de voilà. En plus que c'est un dictateur en herbe. Alors ça, c'est la vieille théorie de qu'essayait d'accréditer Roosevelt pendant la guerre. Et donc ça donne lieu à ce livre. Et puis ce livre donne lieu à un film. Et le film est un bide. Voilà. Mais le film coûte très cher. La production recrute ce qu'il y a de meilleur à l'époque. Il y a Philippe Noiret, il y a Michel Piccoli, j'en oublie. C'est un bide, mais il sort en 68 à une époque où le pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire, est un peu déstabilisé. Et ça, ça contribue quand même à beaucoup déstabiliser une chose. Même s'il n'a pas été, ça n'a pas eu un grand succès, mais il a été repris dans la presse d'extrême droite comme Minute et dans la presse, et même la presse centriste. Ah oui. Ben c'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Éric Branca d'être venu ce soir. Je vous invite, chers amis, à lire L'ami américain d'Éric Branca chez Tempus. Vous pouvez vous le procurer. C'est la dernière édition rééditée de 2022. Et bien sûr, le dernier d'Éric Branca parce qu'il vient. Il vient encore de commettre en livre, Éric Branca, La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre 1944-1954 chez Perrin. Franchement, c'est passionnant. Merci beaucoup, Éric Branca, d'être passé ce soir par Putsch pour nous en dire plus sur cette ingérence américaine. Et on aura l'occasion de vous réinviter pour continuer à enrichir le propos, les analyses, Éric Branca. Voilà. Merci à vous de votre invitation. Ben merci beaucoup, chers amis. Nous, c'est l'heure de se quitter. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à ceux qui vont regarder un replay. Demain soir, mercredi 10 avril, je ferai mon débrief politique. Ça sera à 18h et je vous y attends nombreux. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye, la démocratie. Salut, ciao.